vous souhaite à tous une agréable semaine. Faut garder le sourire tant qu'il y a la santé, tout va bien. Faut garder le sourire tant qu'il y a la famille, tout va bien. Coucou. Voilà. Je vais faire une recette. Alors, je mets de l'huile d'olive. Des oignons. De l'ail, des poivrons épluchés, voilà. De la pulpe de tomate italienne. Hop, voilà. Et je pile. Bon, j'ai pas envie de faire revenir, je suis fatiguée. Ça va mijoter, voilà. Ça va mijoter le temps que ça mijotera. Italienne. Voilà. Hop. Là, vous entendez le micro-ondes qui décongèle, il y a un poisson qui décongèle. Voilà, je vais mettre plus fort. Donc ça, ça va cuire beaucoup plus vite. Je vais mettre de l'oignon jaune, de l'ail, du paprika fumé. Je vais mettre du paprika fumé. J'adore. Voilà. Et mélange salade. Et voilà. Maintenant, je vais laisser mijoter. Pas mal de temps, hein, parce que... Voilà, j'aurais dû les faire griller, j'ai pas eu le courage. Allez, on va faire mijoter tout ça. Maintenant, je vais regarder le poisson. On va pas aller les décongeler. Vous savez, quand j'ai pas envie de faire à manger, mais bon, il faut bien que je mange, hein. Et je vais faire cuire mon poisson. Alors, bien sûr, attendez. Bien sûr, bien sûr. On va mettre de la moutarde. Voilà. Sur mon poisson. Oh putain, je vais me casser la... Voilà. Je vais mettre de la moutarde sur mon poisson. Franchement, ça va être super bon. Je vais mettre de la ciboulette, si je la retrouve. Alors, toi, j'ai retrouvé la ciboulette. Ciboulette, ciboulette. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Voilà. De la ciboulette. Les poivrons. Voilà, tout ça va mijoter, hein, le temps qu'il faut. Hop, le poisson. On le rebadigeonne de moutarde. Alors, c'est inventé à 1000% comme d'habitude. Hein. Vous savez bien que moi, j'invente mes recettes. Hein. Je ne vais pas faire une recette sans inventer. Et je suis sûre, même de source sûre, que ça, ça va être délicieux. Mais j'en suis sûre. Vous allez voir ce que je vais mettre. Je les connais, hein, dans les goûts. Hein. Voilà. Je vais mettre du jus d'orange. Franchement, ça va être trop bon. Voilà. Et bien sûr, pour enlever l'acidité, je vais mettre une pointe de sucre, un petit sucre comme ça, que je vais mouiller. Voilà.
Ça, c'est pour enlever l'acidité. Je l'ai baissé. Parce que là, j'ai mis fort. Hein. Hop. Et voilà. Autant que ça mijote. C'est pas du tout ce que je voulais faire comme recette. Je voulais faire mes saucisses avec le comté et l'oignon, le Roscoff. Et puis, non, du coup, voilà. Du coup, j'ai changé. Voilà. Poivron rouge, tomate pelée et poisson frais. Eh bien, on va attendre. Hein. Quand ce sera cuit, je vous montrerai. Voilà, le poisson, il commence à cuire. Il était un peu congelé. Hein. Voilà. Donc, j'ai pris des poivrons, des oignons congelés, des poivrons frais, un seul, parce que j'en ai un autre, mais ça me suffit, un seul. De la pulpe de tomate. Ce que je vais mettre dedans, j'ai mis du paprika fumé, mais je pense que je vais mettre un petit peu, vous allez dire, attention, ne faites pas ce que je fais moi. Voilà, je vais mettre un petit peu de cumin. Et il y a un truc, c'est du fenouil grec, mais j'en ai plus. Voilà, je n'ai pas trouvé comme ça. Voilà. Le thym, c'est pas mon truc en fait. Une fois, j'ai acheté du thym et j'aime pas le thym. Le lièvre. Romarin, fenouil. Et ça veut dire qu'avec du fenouil, ça donne du goût. Hein. Pas trop. Voilà. Et je vais rajouter, parce que comme c'est du poisson, hop, hop, voilà. Comme c'est du poisson, je vais rajouter une pointe de citron. Après, me demander moi comment je fais, J'aurais pu rajouter du tagliatelle de courgette. Hein. Si j'ai le courage pour rajouter du tagliatelle de courgette, je vais le faire. Voilà, juste un petit peu de citron, pas beaucoup. Voilà. Et je vais me faire des tagliatelles de courgette. Enfin, spaghetti de courgette. Allez. Quoi, elles sont fatiguées. Hein. Elles sont fatiguées, mes nénettes. Voilà, elles sont fatiguées. Elles ont plus la énergie. Voilà. Allez. Non, c'est pas léger. Oh, mais bon. Bon. Alors, vous êtes prêts? Et spaghetti de courgettes. Allez. Hop, il n'y en a pas pour longtemps. Il faut savoir qu'une spaghetti de courgette, ça dure. Voilà, vous mettez ça là, mélangé. Ou carrément, vous mettez la tagliatelle. Voilà. Et là, les courgettes, elles sont un peu fatiguées. Et on va faire des tagliatelles de courgettes. Voilà, et mon repas pour ce midi est prêt. Je ne veux pas dire que je ne mange pas sainement. Hein. Ceux qui me disent que je ne mange pas sainement, moi je mange sainement. Hein. Voilà. Le poisson. Et mes tagliatelles de courgettes. Mon poisson. Hop. Et cassé, mais c'est pas grave. Voilà, et là mes tagliatelles de courgettes. Là, on se retrouve après. Hein. Les poivrons sont cuits. J'avais envie de manger ça, mais j'en congèlerai parce que j'en ai trop. Voilà, hop, hop, hop. Alors, faut savoir que la tagliatelle ça cuit une minute. Hein. Voilà. Je
je vais baisser. Voilà. Voilà mes amours. Voilà mes amours. Ça mijote, tagliatelle de courgettes, poivron, lanière de poivron, pelée de tomate avec plein d'épices et puis du poisson frais. Voilà ce que je vais manger. Poisson à la ciboulinette provençalette. N'importe quoi. Voilà. Poisson inventé. Mais franchement, ça a l'air délicieux. Je vous dis que ça. Je suis sûre que je vais adorer. Je me connais, hein. Je vais adorer. Ça mijote. Voilà. Poisson, provençal, comme vous voulez. Voilà. Franchement, avec des petites lanières de poivron, avec des tagliatelles de courgettes, avec de l'oignon, poisson frais, avec le thym. Je pense que c'est une tuerie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo, bye bye. Abonne-toi et active la cloche.